Bon les gars, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo qui change un peu de d'habitude parce que là, certes le brochet est ouvert mais ça mord pas dur dur. Donc je me suis mis en tête d'essayer une autre technique qui pourrait potentiellement changer la donne et faire que je fais plus de poissons, que ce soit plus cool, parce que faire beaucoup beaucoup de sessions pour pas prendre pour prendre un pauvre brochet, ça commence à être très long. Donc pour maximiser le nombre de poissons et pour avoir des belles images et surtout des belles attaques, etc., j'ai décidé de venir pêcher de chevesne, donc dans un petit ruisseau à côté de chez moi, et avec un autobug. Donc c'est une imitation d'insecte qui va nager en surface, ce qui fait que quand il tombe à l'eau, soit le chevesne va venir gober instantanément, soit en l'animant avec les petites pattes qu'il a sur le côté, ça va faire des vibrations, il va penser que c'est un insecte qui se débat sur l'eau, il va venir le gober juste après. Bon voilà, maintenant si vous voulez voir si j'ai fait du poisson durant cette session, je vous laisse regarder les images qui vont suivre. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, il y en a un qui est monté. Ouais, et derrière, tout petit. Ouais, voilà. Premier les gars. C'est pas un gros, mais c'est un cheval. Ah, ça fait plaisir. Hop. Voilà, je pense que vous verrez bien. Ouais, c'est un chope de 20 quoi. Mais bon, c'est toujours sympa. C'est bien nerveux, ça se bat bien, c'est quand même vraiment sympa. Allez, on va le décrocher et on va continuer. Hop. Ce qui est marrant avec le chevesne, c'est le premier rush après qu'il est gobé. Quand il repart. Allez hop. On release. Voilà. Nickel. Bon, je me suis beurré les doigts du coup. C'est pas grave, c'est pour le pantalon. Là, je me doutais que, en fait, dans les zones de calme comme ça, c'est là qu'ils viennent gober. Surtout que là, il y a toutes les éphémères qui sont en train de tomber. Et ils ont même comportement que les truites là-dessus, ils viennent gober. Il était monté une première fois. Et après, j'ai fait ces petites animations-là, puis il a fini par prendre. Ah non, c'est pas encore là. Manqué, je pense que vous aurez bien vu là, une sacrée attaque en surface là. Pourtant il devait être en pleine activité parce qu'il est en train de gober. Oh, il y avait un monstre, je sais pas ce... Oh la vache, oh, il y a un monstre de cheval juste là-bas là. Je sais pas si vous verrez bien. Et les feuilles. Ragon d'albinos. Première fois que j'en vois en vrai. Oh, je l'ai loupé. Oh, je le loupe comme une quiche. Je t'ai pas vu arriver en fait. On va retenter. Deux fois, ça doit pas être très gros ça. Oh, je l'ai vu se retourner. Putain, je l'avais vu, j'ai réussi à le prendre. Oh putain. Yes. Ah, oh, je pensais qu'il m'avait vu. Même pas. Oh, il y a un pépère. Là, il y a un pépère, les gars. Lui, on l'épuisette. Je sais pourquoi il m'emmerde depuis tout à l'heure. Allez, viens par là. Allez. Ah, mais il y a les caillasses. Oui. Yes. Enfin. Ouf. Ah, c'est cool ça. Décaler un peu, histoire qu'il ait bien de l'eau. Bon les gars, là il y a poisson. Là c'est un beau fish. Oh là là, magnifique. Chronotobug en surface, c'est super bon. Là, il y a 50 quasiment. Hop. Tac.
Non. Non. Putain, mais... Ouais, c'est des crocs. Oh non. Bon, bah... Il s'est décroché dans l'épisode, j'avais pas vu, j'étais en train de faire mes petits plans et tout sympa, et puis bah, il est reparti, bon bah, nickel. Toujours en autobug, magnifique. Ah, ça fait plaisir ça. Un truc blanc creusé au fond, ça ressemble bien à une anguille. Il y avait des chubs visiblement. On va voir s'il y a des chubs avant de foutre le bazar, mais il y a une anguille creusée juste là. Ah, c'est dommage. On sait que ça. Je sais pas si vous verrez bien à la cam. Ah, c'est une anguille, hein, une anguille de 60 qui est crevée. Oh, c'est con ça. Oh! On a un beau qui est monté à l'animation. J'avais pas vu, putain. Au pile au moment où je regarde ailleurs. Ah, je suis deg. Pas sûr qu'il remonte là. Alors. Il y a un beau qui est monté là. Forcément, je regardais pas au moment où il est monté, moi. Il est caché derrière les arbres. Il y en a deux qui viennent de partir en furie. Ouais. Ah, ça y est. Enfin. Ah, il est pas dégueulasse, je le voyais plus petit que ça. Hop, top. Top, ça. Tac. Voilà, les gars. Beau fiche. Beau cheveu en autobug. Le décro et le relâcher tranquillement. Ça c'était, je sais pas pourquoi, mais c'était sûr. Je vais me rapprocher un peu de l'eau pour pas qu'il se fasse mal s'il retombe. C'est vivace et puis il n'y a pas tellement de prise sur les chevaines, c'est ça qui est... Allez, arrête de bouger. Voilà. Non. Non. Tac. Nickel. Bon, allez hop, ça repart. À fond de cale. Ouais. Oh, des crocs. Des crocs, dommage. Je vais vérifier mes hameçons. Oh, ils sont bien. Ah, des crocs. Ça arrive assez rarement, je fais une double des crocs. Oh, voilà. Ah, bah, un autre. Sur le même spot. Plus petit celui-là. Hop. Nickel. Sur le même spot. Bah, donc celui-là, il a réussi à se faire fermer le bec par le autobug. Hop. Bouge pas, mon cochon. Hop là. Et voilà. Nickel. Voilà, les gars, beau petit chub. Allez, ça repart. Tac. On retente, on sait jamais. Ah, moulinet. Il y a un bout qui monte. Oh non. Il était gros celui-là. Il était gros celui-là. Il est encore là. Oh mais mince! C'est pas vrai! Encore une fois loupé. Ah, c'est bon, il est en train de péter. Yes.
Ah cool. Un autre. Magnifique. Hop là. Ils sont tous calibrés, j'ai pas fait trop de petits aujourd'hui, ça c'est cool. Hop là. Voilà les gars, encore un bushfen. Tac. Voilà. Et hop, ça repart. Nickel. Ouais. Oh. Alors ça les gars, c'est du génie. Hein. Une perche au autobug. C'est la deuxième que je prends ici, j'en ai déjà pris une plus grosse. T'as un autobug quoi. Perche au autobug. Excellent. Allez hop, repars mes mères. Oula, ils font du bazar là-bas. Ils sont pas contents. Hein. Yes. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, un rotangle. Bon bah ça fait trois espèces. Sympa. Hop. Hop là. Ah oui, gars, bon bah. Un beau rotangle. Non, c'est un gardon en fait, c'est un gardon. Un beau gardon. Hop. Et voilà, ça repart. Je suis à contre-jour, moi je vois rien. Moulinet de merde. Bon les gars, ça y est, on se retrouve pour le petit débrief de la session. Donc c'était une session plutôt sympa. Malheureusement, Moulinet vient de rendre l'âme. Enfin, pas totalement, mais quasiment, donc je vais arrêter là pour éviter de le détruire complètement, parce que je force depuis tout à l'heure, ce qui me fait d'ailleurs louper pas mal de poissons. Mais bon, malgré ça, c'était quand même une session bien sympa, donc il fait chaud, les poissons, les chevennes surtout, sont en train de gober. En plus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nymphes, donc ça les active, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un autobug, et puis de m'amuser à les pêcher en surface, donc c'était plutôt cool. J'ai pris quelques poissons corrects, dont un bout de quasiment 50, je pense. Et voilà, du coup c'est un petit format qui change un peu de d'habitude. C'est pas une pêche que je pratique souvent, pourtant c'est une pêche que j'apprécie vraiment beaucoup. Et du coup, si vous, ce genre de pêche, ça vous plaît et puis vous aimez regarder ce genre de pêche, par exemple, d'attaque en surface, de gobage de chevennes, etc., n'hésitez surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je voulais également vous dire, on est quasiment 3700 sur la chaîne maintenant, mais n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Instagram. Je passe quand même pas mal de stories et pas mal de photos, et c'est là que vous pourrez suivre toutes les infos sur la chaîne, le déroulé, par exemple savoir quand la prochaine vidéo va sortir, etc. Donc c'est hyper important d'aller s'abonner sur Insta. Maintenant, comme d'habitude, je vous laisse liker, commenter et partager, et surtout vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.